Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite heure du milieu. Oh oui, non, oh, au secours. Et non, j'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, peu importe. Bon. Donc, bon, on va mettre sur un ordre automatique. Évidemment, il va se débrouiller comme un chef. Alors que tout simplement. Ça va être potentiellement mon compte principal qui va potentiellement être mis en difficulté, évidemment. Donc il y a toujours un Naruto en face, donc calmons-nous sur l'utilisation de nos ultis. L'adversaire a plus de combativité globale, mais j'ai la première attaque, donc je suis peut-être un petit peu plus confiant. Mais attention tout de même. Un Naruto qui pète un plomb, ça peut faire une game, donc attention quand même. Ok, alors OS membre du groupe, looting pas membre du groupe, donc on y va. Ok, bon, les dégâts sont très 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 bons. Et attention au potentiel du Naruto, on le connaît évidemment, le petit bug. Ok, ouais, bon, il va rien se passer. Bon, du côté de science, ça se passe comment? c'est à se demander pourquoi je m'inquiète. Pourquoi faudrait-il s'inquiéter finalement? Ok, donc est-ce qu'on a le timing pour lancer un ulti Madara ou pas? Oh, je me suis trompé. J'ai eu ce clic chef. Oups. Ah bah mince alors! Non, il y a un bouclier. Oh, il y a du monde. Bon, bah, du coup, je donne une auto au Naruto. Petit misclic de ma part. Mais bon, j'imagine qu'il n'y a rien de choquant, rien d'insurmontable. Oh! C'est Alex qui m'a agressé. Ok, 1 million 7. Ah oui, d'accord. Ok, non. D'accord. Oula, ok. Très bien. Allez, on y va. Début du tour 4, c'est parti en avant. C'est parti pour l'aventure, bien évidemment. Alors, voyons voir. Voir si on arrive à immobiliser le Naruto, il y a peut-être moyen de progresser un petit peu. Ah mince, ce serait qui tombe. Écoute, de son côté, c'est un petit peu la fête. On va entrer dans la valse du Kakuzu. J'ai bien l'impression. Il y a le petit clone du Menter qui risque de pas mal nous embêter en réalité. Allez, c'est parti. Pour cet outil, au bout d'un moment, à force de scale, à force de lancer l'outil, on va finir par y arriver. Ok, Naruto est quand même extrêmement mal en point. J'lance un outil Sasori. C'est extraordinaire. Voilà, bon, il y avait deux autos du Mandarin ainsi que deux ultis Itachi potentiellement. Il y avait potentiellement de quoi s'en sortir. La vache, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, non activé cette île? Ok, bon, je sais pas trop, mais on y va.
Au secours. Ok. Ah, je peux monter. Très bien. Dans ce cas, si on peut le faire, autant le faire le plus rapidement possible. Ok, il manque un troisième. Troisième victoire. Ça. Ouais, sérieux. Oh. Je sais pas si. Non, ça n'a pas été comptabilisé. Bon, écoute, va pour Seb. Hop. Ok, nickel. Alors, est-ce qu'on grimpe tout de suite ou pas? Ça nous ferait grimper peut-être un peu tôt, non? Là, par exemple, il y a attaquer Kurama là, qui permettra de gagner une clé. Après, on va peut-être être dans la première. Ah. Être dans la problématique de. Compliqué. Peut-être être dans la problématique de. En fait, il y a. Il faut affronter trop de personnes pour dépenser des clés. Ok, il y a Coucou qui est là. Ishii. Qui est là également présentement. Je pense que je vais commencer par éliminer Clé en or. Là, il y a Joe David Boy. Allez, on envoie l'Ultimadara en tout cas. Comme j'ai dit, hein, contre un Take Kurama qui joue. Tsunade, Barrière du Minato, Naruto, bon. C'est peut-être pas trop la peine de s'exciter comme un malade. Au tour 1. Ok, très bien. Collega d'Oda, évidemment. Bon, de toute façon. Ça va être uniquement à partir du tour 3 qu'on va potentiellement pouvoir gagner. Voilà, on fait des petits dégâts résiduels, voilà, tout va bien. Il est en mode détente. Ok. Et bah c'est nickel. Les dégâts de commencement ont été amplement suffisants. C'est formidable. Voilà, je pense qu'il faut quand même grimper. Sinon, on risque d'être rempli de clés en or avec aucun moyen de les ouvrir. Saitama Saigo, de mémoire, c'est un mec énervé que je me demande s'il n'y a pas un lien 5. Et je crois que ça passait pas. Il me semble que en lice, donc c'était il y a peut-être hier. 2-3 jours de ça, j'avais testé et c'était vraiment pas bon du tout. Ça ne collait pas. C'est pas du tout un adversaire que je pouvais affronter. Donc attention quand même. Sur Sion, ça va bien sûr, mais ouais, sinon. Ça a été assez égoïste encore là. Ah, il m'a chopé. Ah. La technique de la fumée. Et j'ai réussi à le feinter un peu là. Ah, Hero Sennin qui m'a agressé. Ok. Oh, une composition d'arène. D'accord. En vrai, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'immobiliser du monde là, d'essayer de faire quelque chose autour 1? Ah non. Peut-être. Non, peut-être. Okay. Bon, on a plus chakra. À un moment, on avait du chakra. Maintenant, on en a plus. Bon. On va lancer l'Ultimadara au tour 2 avec le bonus de la relique. Ça peut peut-être faire le taf, en réalité. C'est vrai que il faut pas estimer le fait que
En réalité, il faut quand même être assez rapide afin d'accumuler les 1500 solaires réglementaires. Et peut-être un peu plus d'écu si cela est possible. Okay. Maintenant, il faut que je trouve un second adversaire. Footing, c'est pas quelqu'un du groupe, donc on peut y aller. Et bon, si on c'est. Ok, bon. Je pense que ça va bien se passer. On va prendre l'attaque autour d'eux. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire le fou? Et tout simplement. Jamais c'est possible de lancer Madara tour 1 comme ça. Avec la barre du Kimaro, ça se tente, je pense. Et oui, ça connecte. Et on est vraiment tout bon. Ok, clé en or. Il faut grimper pour dépenser des clés. On va être intercepté par un Jean-Michel pas content, j'en suis persuadé, mais. Oula, il y avait Nara qui était prêt en embuscade. Et finalement, ça se désiste. Escans, est-ce que. Ouais. Il faudrait aussi que chaperon du monde. Attendez, j'essaye de le briser. Et donc. Willy, c'est quelqu'un du groupe. Donc on va peut-être ne pas l'attaquer. Il y a du sable rouge, je vais peut-être le. Ah! Je n'ai pas réussi à l'intercepter. Attention. Oula. Oh. J'essaye de sauver mon compte, ok. Ok. Lorsque j'ai pris l'escalier, j'étais en mode. On est sûr de ça ou pas? Ok. Alors. Contre Landry. Bon. Moi j'aurai bouclier. Je me ferai pas agresser par la suite. Allez, on va prendre attaque au tour 3. Ça sert à rien de prendre de la défense. Ce ne serait que perte de temps pure. Ok. Oh, incroyable. Ça envoie du steak. Sachant que techniquement les poursuites de Shishui c'est plus pour scale que pour faire des dégâts. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Ok. Allez hop, c'est parti. Ok. Ah, super. On peut tout du moins dépenser des clés. Là aussi, on peut le faire. Donc, si on peut le faire, autant le faire. Ben, j'aurais peut-être pu essayer de. Ouais. Peut-être dû utiliser ça. Donc là, il y a Moustique qui est toujours quelqu'un du groupe.
Ok, VIP. Oh non, punaise, j'ai pas pris le temps avec le Kizame. Oh, oh, la pénalité va être maximale. Oh là 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 là. Bon ben, du coup, on va prendre la mission de résistance, y a pas de problème. On va pas pouvoir scale dès le tour 1. Enfin, dès le tour 2, pardon. On va attendre le tour 3. Bon. Ce sont des choses qui arrivent, j'imagine. Ok, bon, c'est débarrassé du main feu. Il menace en moins, vous me direz. Allez, c'est parti, on y va. D'accord, ok, on va grimper un petit peu. Ouais, c'est peut-être pas mal d'essayer d'appuyer un petit peu. Pas full heal. Ça perdrait peut-être quelques précieuses secondes d'animation. Hop. Allez, vite, go, go, go. Allez, ah, oh. Vite. Ah mince, je suis pas arrivé à temps. Rafraîchissement d'Écosse, c'est pourquoi? Ok, dommage. Ouais, choper une clé en or. Ah, t'es vu le démon noir, il m'a sauté à la gorge. La gorge de Cyan en tout cas. Bon, de toute façon, il a quoi, 4 millions? Sans problème pour le gardien, j'ai envie de vous dire. J'essaye de trouver un adversaire, mais c'est compliqué. Adversaire que je pourrais défaire, ouais, c'est pas simple. Hein. Le bon Kaizo, il me détruit littéralement sans sommation. Ah, puis il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu. Aïe 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 aïe. Ok.
Oula. Et c'est chaud quand même. Bon, de toute façon, on a compris. Un petit coup de Tobirama et ce sera fini, je pense. Le poison, l'inflammation, ce genre de choses. Oh, Sasori qui tombe. Akiro qui revit. Mais bon, qui va se faire assassiner par un Tobirama. Dévastateur de l'adversaire, évidemment. Voilà, très bien. Comme ça c'est fait, j'ai envie de vous dire. Ah, super, les coffres. Ah bien, après, on va toujours avoir le même problème technique, c'est-à-dire. N'a pas réussi à fermer de clé. Avec mon compte. Ok. Avec Siandre, on est bon. Donc, dès à présent. Vous savez quoi? On va faire gagner un peu d'écu pour Siandre, et puis après, on va le sortir de la terre. Ok, bon. Déjà, l'objectif principal est réuni pour des deux comptes. On a les 1500 solaires. On va ensuite, hop, essayer de nous concentrer sur mon compte pour essayer de choper un maximum d'écu. Il fut un temps où j'étais en manque d'écu. Bon, ça va beaucoup mieux depuis que simplement. Ah non. Depuis que je farm QB avec une composition adéquate, mais attention. Donc bon. Oh là là, Naruto qui a la première attaque, c'est terrifiant. Est-ce qu'il a moyen de. Il a pas le moyen de d'aspirer mon chakra ou quoi, donc ok. Peut-être l'opportunité de. Oh punaise! De sur one shot, ça c'est une belle opportunité également. Et peut-être de lancer un multi dès que cela sera possible. J'ai l'impression qu'il a lancé son auto into lancer l'ulti, il n'a pas lancé d'auto derrière. Donc techniquement, je dois avoir un petit léger momentum à son niveau. Il y a peut-être un monde où ça peut peut-être passer. Il y a pas mal de contrôles qui vont nous arriver dessus. Ok, bon. Lorsqu'on va taper, on va diminuer nos points de vie. Et contrôle échoué. Ok. Ok, attention tout de même. Ah, je pense que mon Itachi, le pauvre Itachi, va passer l'arme à gauche, là, c'est moi qui vous le dis. J'ai sélectionné quoi comme bonus? Je ne sais plus. Ouais, c'est compliqué au niveau des dégâts. Ok, il lance un petit marteau. Très bien. Donc là, soit les dégâts de commotion passent et je meurs, soit. Ok, bon, moi je meurs. Parce que ça passe. Même en essayant d'éloigner le plus possible, on se prend les dégâts de commotion, ce qui est pas évident. Faut quand même le dire. Ok. Alors, est-ce qu'on a l'opportunité de. Ouais, on peut affronter Seb. Il faut surtout pas oublier de paralyser le Kizame, sinon on en a pour 3 temps, 30 ans de combat, bien sûr. Attention. On prend la notion de résistance pour respecter un petit peu le Naruto en face. Bien évidemment. Ok, bon. Très bien. Les hostilités ont pu commencer. Okay.
Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Restons cool, décontractés. Okay. Le mec haut qui full heal, c'est très bien. Allez, c'est parti. En avant pour l'aventure. Ok, très bien. Avec un peu de chance, le Naoto a ciblé mon Madara, ce qui fait que bah, j'en ai perdu presque aucun point de vie. Ouh là là, ok. Ok, c'était agressif ça. En termes de points de vie, c'est quand même quelque chose d'assez énervax. J'ai même pas fait attention, on est bientôt les 100 000 points de vie sur l'AP1. Tout à fait respectable, bien entendu. Ok. Nickel, victoire. Okay, ça nous permet de ouvrir ce petit coffre afin de gagner un tout petit peu d'écu, bien sûr. Histoire de faire un petit peu de stock. Et que ce soit plus du tout ma préoccupation. Alors, est-ce qu'on peut essayer de choper quelque chose d'autre? Donc, il y a toujours Escans qui est là. Ok, il y a 50 pions qui s'est fait un petit peu agresser par l'adversaire. Classe, d'accord, ouais. Ouais, c'est bon, je suis désolé, hein, mais c'est le seul joueur qui est disponible et que je peux battre en réalité. Donc, pour les autres, bon. Un peu trop énervé. Hein. Les autres joueurs présents, ils sont un peu en combativité x2, donc. En général, combativité x2, c'est impossible, bien sûr. Strictement, donc. Obligé de se reporter sur le bon Seb. On a que 100 000 de combativité d'avance, mais c'est extrêmement appréciable. Puisqu'on arrive grandement à s'en sortir malgré tout. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ok. Ok, donc c'est parti pour l'ulti Madara. Alors faudra aussi théoriquement que je trouve sans doute un dernier adversaire histoire de compléter la rotation des deux coffres en or. Il ne restait plus que 1000 points de vie. Très bien. Il a regagné combien? Peu j'imagine. Ah non, il n'a pas réussi à gagner point de vie. Ok. Peut-être qu'il n'a pas la bonne percée pour ou que sais-je. Ok, bon. Moi, je reste dans l'objectif d'essayer d'ouvrir le maximum de coffres possible. Là, on est un petit peu embêté. De 55 secondes. Ouais. Ah ouf. Ok. Est-ce que ça peut se faire? Ça semble compliqué. Mais c'est peut-être pas impossible. Allez, vite, vite, vite. Ok, nickel. 31 000 en crit, comment ça? Comment ça? Allez, vite, vite, vite. Oh, et non, mince. Aïe, 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 aïe. J'ai pas réussi à ouvrir le dernier coffre. Bon, c'est comme ça. Du coup, on aurait accumulé un petit peu plus de... Un peu moins de 500 000 écus. Complémentaire.
En plus, 2500 solaires. Donc, que du bonus. Donc, let's go. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.